Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Perfect Press. Merci d'être nombreux, merci d'insister sur le téléphone. Vous êtes où? Vous n'avez pas encore commencé? Qu'est-ce qui se passe? Ça m'a toujours fait plaisir quand les téléspectateurs imposent un rythme. Ils sont où, tes invités? Qu'est-ce qui se passe, monsieur Peter? On est là, légèrement, un tout petit peu en retard. Problème d'électricité. On espère qu'avec Fachi Béton, ça va changer parce que nous sommes en train de travailler sous générateur maintenant. La SNEL, je ne sais pas qui est DG de la SNEL aujourd'hui, mais apparemment, il fait piètre figure. Il fait très mal son travail, le DG de la SNEL actuel. Le courant est un calvaire. Le courant est un calvaire. Monsieur le DG de la SNEL, votre service est lamentable, malheureusement. Et c'est le cas dans tout le pays. Si à Gombe déjà, le courant pose problème, qu'en est-il dans les cités et ailleurs? Il faut aider Félix Tshisekedi. Ce n'est pas lui qui viendra devenir DG de la SNEL, monsieur. Franchement, regrettable. Allez, on est sous groupe, mais pour vous servir, on va faire ce qu'on peut. Perfect Press démarre à Kinshasa, capitale de l'RDC. Vous nous suivez sur Perfect Télévision, Brazzaville. Vous nous suivez sur YouTube. Peter Tien et RDC TV YouTube. Abonnez-vous massivement, massivement. Nous sommes sur Nyota Télévision. Voilà. Bientôt sur Mbengu Télévision. Et merci à tous ceux qui nous relaient du côté de Congo Central, du côté de Kisangani et du côté de l'Est. Allez, quatre invités sur ce plateau. On va décortiquer de fond en comble l'actualité. Elle est abondante, hein, très alléchante l'actualité. Perquisition de la Fondation Monsieur Laurent Désiré Kabila et interpellation de la Dada Nationale, la jumelle du président honoraire Joseph Kabila. 5 heures d'audition à la DEMIAP, que s'est-il exactement passé? On réfléchit. On est même parti avec la Jeep qui transportait la dépouille du feu Laurent Désiré Kabila. On a la levée de la peine des morts. On va essayer de dire un mot. On a quel profil portrait robot du prochain Premier ministre Loiseau Rare qui devrait remplacer Samalou Kondé? D'autre part, là, d'une dame, de quelqu'un de l'Équateur ou du Congo central. On en dira davantage. Profil de gouverneur. Ça chauffe, hein, à Kinshasa, ici. C'est plus de haut Kasongo, c'est Mbou, hein, Bumba Daniel. Bumba Daniel. Pour les autres, c'est Okatonga, il s'appelle encore comment? Kiaboula. Kiaboula, tollé général, avec le propos du CG Kabuya. Incompris pour les uns, mal parlé pour les autres. On va poser peut-être un mot, fidèle téléspectateur, dans cette émission, pourquoi pas un mot sur la situation précaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais je vous donne ma parole, et si on n'épuise pas toutes les questions, on reviendra la semaine prochaine pour épuiser. J'ai Yves Bouya, bonjour, bienvenue. Merci, bonjour Peter. Merci. J'ai Freddy Noël Thierryo, que j'appelle affectueusement Jean-Alexandre Freddy Thierryo, lui-même sait pourquoi. Comment ça va, Freddy? Bien, Mister Alexandre Peter Thierryo. Belle prestation la dernière fois. Merci beaucoup. T'as vu dans les réseaux sociaux, d'ailleurs, ouais. Je vais te le dire. Très belle prestation, merci de réussir ta présence. Moudjahidine du peuple, prédicateur national. Merci beaucoup, estimé. Je salue aussi les amis. Très bien, merci d'être là. Et enfin, le Mouami national, Edmond Izouba, l'homme de Rajek. Bonjour, bienvenue. Bonjour et merci beaucoup de l'invitation, Peter Tiani. Très bien, on est de cœur avec toi, Stanis Boujakira. Grande manifestation ce lundi de la presse, des corporations, de la corporation et des structures de la presse pour te soutenir. Notre ami, notre frère, notre jeune frère, le tout-puissant Stanis Boujakira, Mtatambusi Mindelen à Paris, en train de protester pour la libération de Stanis Boujakira. Ouah, danger, prison Salio Mabé pour prison Salakak. Et bon, moi, je suis à Makassi, je suis à Makassi. Et ça n'a pas si mis ça à la gaka. Non, mais grand prêtre, il y a beaucoup de gens qui sont là. Je suis à la maison, je suis à la grand prêtre en Afrique. Où est la maison? C'est dur la prison, mais il faut tenir. Ne jamais abandonner. Tu sors, tu sortiras. On y croit. Chéri Blanquet va être enterré ce 20 mars. Ce mercredi 20 mars, ce sera au niveau de 5 containers. Nous y serons. Centenaire. Hein. Il y a 20 centenaire protestant. Centenaire protestant. Ouais. Ok. Oui, mais la levée. C'est au cinquantenaire. C'est cinquantenaire. Ouais. C'est ce que je disais. Tout je fais partie de l'organisation quand même. Ah, ok. Et ensuite, il y aura une messe à Notre-Dame le mercredi et cap vers Nécropole pour de rendre les derniers hommages au Féchon Benkende. Aïe, mon vieux. Allez, je commence par Moudjahidine du peuple. Moudjahidine du peuple. Nico Faye, perquisition,
J'aimerais commencer par tu sur cette question. Il n'y a pas de souci. Dans les interventions sont très prisées ces derniers temps. Allez, dis-nous en plus, si tu, on a perquisitionné la fondation Musée Laurent Dessert qui a emporté la Jeep et ensuite interpellé Dajanet. On est en train de provoquer Joseph Kabila, pourquoi? Non, ce n'est pas de la provocation, mon ami Lavie. Je pense que les anciens militaires ont leur mobile et les motivations qui ont concouru, qui ont poussé à ce que cela se fasse de cette manière-là. Et j'ai appris que Mme Jeanne Kabila a été entendue pendant 5 heures d'audition au niveau de la DEMIAP. Et elle a été relâchée et aucun grief n'a été retenu à sa charge. Cela veut dire qu'il y aurait des soupçons au niveau de la fondation. Certains diraient que il y aurait un plan de déstabilisation des institutions. Bon, vous savez, sur le plan du renseignement, il faut être très prudent parce que ce ne sont pas des fous, ce sont des gens qui ont réfléchi. Il y a peut-être des éléments qui peuvent nous échapper. Qui nous échappent. Donc, on n'est pas de l'armée, on n'est pas des militaires. Je pense que ces gens-là ont des motivations valables qui ont conduit à ce qu'ils puissent faire la perquisition. Donc, ce n'est pas un péché. Mais pourquoi on portait la Jeep? Bon, c'est quand même qui est un peu sacré, la Jeep. À mon avis, il a transporté la dépouille de la rame de Zéré Kabila. Cette Jeep-là devrait être placée au musée national parce que c'est partie de l'histoire du pays. Okay. C'est une Jeep qui a convoyé la dépouille immortelle de notre héros national, Musée Laurent-Joseph Kabila. Et je ne crois pas que la fondation était l'endroit indiqué pour garer cet engin-là. Donc, pour les besoins de l'histoire ancienne de nos enfants, on devrait passer juste Jeep au musée pour que les gens passent, découvrent, suivant les indications de l'enseignant qui explique que voilà, cette Jeep en 97, en 2001 plutôt, ça avait transporté là, depuis l'ancien président qui est assassiné vachement par un des secrets, tout ça. Mais d'ailleurs, je suis surpris de voir que la Jeep là existe encore, il s'est carré là-bas. Donc, ça aurait dû être au musée national. Musée, pour que les gens voient. Kabila, le musée, mais ça n'appartient pas. Il appartient à la communauté congolaise. C'est le président, et on a besoin d'enseigner son histoire à nos enfants, à nos petits-enfants. Donc, mais la manière dont on est allé, ben maintenant, des militaires. On part, on récupère la Jeep là, à la fondation. Quel est le mobile? Interrogeons ceux qui ont pensé cette perquisition à nous davantage, à nous éclairer. Parce que là, on a appris, et puis on a vu l'invitation de Mme Kabila, et elle est partie. L'invitation de elle a été relâchée. Bon, pas tout puissant, il est au service de la nation, okay. Il est nommé pour faire son travail de renseignement militaire. Donc, il faut, vous savez, il y a un jour, j'étais avec M. Khalif Mehdi, vous savez, lorsque vous dormez, le matin, vous réveillez, vous voyez les gens qui sont circulés, c'est un travail qui s'est fait de grands lèvres. Quand vous dormez, vous vous réveillez le matin, il existe toujours Khalif. Il y a en ville, en bon sens, chambre d'ailleurs. Il est ici, Khalif. Il est ici, qui est ça. Lorsque vous dormez, écoute, non, lorsque vous dormez, il a fait des choses à la tisane. Lorsque vous dormez et que le matin vous réveillez en paix, vous voyez la paix c'est sur la rue, vous voyez tout marche bien, c'est que les gens vont travailler. Okay. La sécurité, prévenir les dangers. Inquiétude. Voilà, prévenir les dangers, prévenir les menaces. Donc c'est un travail. Les gens lèvent. Quand tu as arrêté chaque main là, tu l'emmenais à la mer là, c'était pour que les gens dorment calmement. Non, je n'ai pas extrapolé, je n'ai pas dit ça. C'est juste un conseil que l'État existe. Lorsque nous dormons et que le matin on est en bonne santé, on sort pas être taxé au coin, c'est quelque part l'État travaille. Il y a des gens qui veillent à l'ordre. Oui, voilà. C'est un peu ça. Pour que la DENAP a fait son travail. Et là, c'est raison de faire la perquisition. Alors, vous ne pouvez pas trop extrapoler comme quoi. Et puis dans la vie, mon cher ami. Il n'y a pas des gens indispensables, intouchables. Il n'y a pas des gens dessus de la mer. Mais oui, justement. Parce que, oh non, voilà. Non. Jumel Kabila n'est pas égal à Kabila, président. C'est ça, ça c'est la colère parce que Kabila a quitté ici, il est allé en Namibie, sans autorisation. Et puis il a vu le président. Ça, je n'ai pas l'information. Il a tapé les caras. Non, ça, je ne sais pas. Il a vu le président, il ne peut même pas venir saluer Fatih. Non, je n'ai pas aimé ça. En Kabila, en tant que président, et le président d'exercice. Il est venu vers l'autre. Au fait, il y a un protocole. Le président existe. Et là, Kabila, c'est l'ancien président. Et vous avez voyé le protocole. On avait mis l'ancien président avant et puis les présents en arrière. Je pense que c'était pas bon. L'humilité des part et d'autre devrait s'émouvoir. Hein, des part et d'autre. Mmh. C'est vrai que
et le président, et l'ancien président, je pense qu'ils ont fait des concessions et puis s'est rapproché parce que à l'extrait du pays, on a fait la honte quand même. Parce que l'ancien président qui est là, ils ont eu du mal. Si j'ai changé de pomme de main, c'est pas intéressant. Je pense que, en tout cas, je pense que aussi le président Fatih et le président Kabila devraient travailler, trouver en tout cas une concession. Très bien. Niko Faïndikaï, on est allé prendre la Jeep emmenée au musée national. Vous cachez ça. On cache ça là-bas à la fondation. Pourquoi? C'est pas un bien privé. Merci beaucoup pour l'opportunité. J'estime que c'est la première fois depuis cette année. Ah, ok. Mais comme nous avons, l'émission avait été comptée pour cause d'électricité, on n'a pas le temps à perdre. Je m'en vais procéder au rappel national. Que mon peuple retienne que nous avons déjà 641 jours depuis que notre Bundangana est parti. Ok. 641 jours. 241 jours de quoi? 641, là, peut-être à l'oreille, vous ne voyez pas la gravité. Mais s'il faut parler en termes d'années et de mois, c'est une année et 10 mois. 290 jours depuis que Salomo Kalonda Escadela avait été quitté au pied de l'avion. Ah, Escadela. Un père de famille, responsable. Mari d'une femme dont la fuite n'était pas crainte. Tout le monde peut être arrêté, mais le droit aussi réside dans la procédure. Mais malheureusement, l'infraction pour laquelle il avait été cueilli au pied de l'avion de détention d'armes, cette infraction a été déjà abandonnée. Aujourd'hui, on a monté d'autres infractions, mais allez-y comprendre que les droits pénals, c'est que le grand maître Kalungu Mbanga nous disait. Les droits pénals, lorsque vous vous rendez compte que les poursuivis ou bien l'inculpé, il n'y a pas d'indice sérieux de culpabilité, la liberté c'est le principe et la détention c'est l'exception. Malheureusement, le régime a inversé les choses. Pour ce régime, le principe c'est la détention et la liberté c'est l'exception. Mais le comble est que dans tout cela, la personne est malade, certifié par les attestations médicales, confirmé par des comptes expertises, mais le régime ne veut pas toujours que la personne aille se faire soigner dans un centre de son choix et surtout pour bénéficier des soins appropriés. 290 jours que le régime a voulu séquestrer quelqu'un. 190 jours depuis que notre estimé confrère Stanley Boujakera avait été aussi cueilli. Aujourd'hui, il y a un réquisitoire du ministère public, mais ce que nous devons retenir est que l'avis du ministère public n'élit ni le tribunal ni la cour. Très bien. Les droits pénals résident dans la preuve et lorsqu'il y a doute, l'on acquitte. 247 jours depuis qu'un père de famille, Chérubin Okende, est sorti de sa maison qui n'est jamais rentré. Sur invitation, on se pose la question, est-ce les juges de la haute cour, de la cour constitutionnelle, ont-ils la compétence d'inviter un ministre, qu'il soit en fonction ou pas? Les enquêtes peuvent aussi commencer par là. Malheureusement, nous sommes dans un régime où on interdit de commenter les communiqués du parquet. Les communiqués du parquet, ce ne sont pas les décisions de justice. Les décisions de justice émanent des juges. Mais allez-y comprendre, dans les régimes du genre Russie de Poutine, Birmanie, Iran, Corée du Nord, allez-y comprendre. Et 57 jours que le régime nous a mis dans un flou, on ne sait même pas compter si le mandat, pourquoi avoir écouté le mandat du 20, et nous sommes dans un flou, c'est pour cela que j'ai inversé, ce n'est plus jour, jour moins, c'est jour, jour plus. D'accord. Fondation Musée Laurent Désiré Kabila perquisitionné. On a déjà parlé. Donnez la parole. La perquisition, ce sont des procédures requises par les lois. Merci. Mais le comble est qu'avec ce régime, on peut avoir raison, mais lorsque vous procédez très mal, vous gâchez tout. Ok. Les droits résident dans la procédure. Pourquoi on veut appliquer la procédure? Vous avez vu certains candidats, députés,
lorsqu'ils ont eu à initier mal les actions, que ce soit au Conseil d'État, on les a déboutés. Que ce soit à la Cour constitutionnelle, on les a déboutés. Les droits sans procédure, tout ce que vous pouvez faire, c'est nul. Bien sûr, on peut s'accorder. Le véhicule, le piquet qui avait servi de corbillard du fait où ils auront Désiré Kabila, j'estime à mon humble avis que c'est un véhicule de l'État, acheté avec l'argent de l'État. Mais si il y a eu la fondation, il faut comprendre aussi, mais il n'est pas dit que non, il faut toujours la brutalité. Et en plus, c'est une question de procédure. Qui paie au niveau de la justice militaire poursuivre ou bien initier une telle démarche? J'estime, à mon humble avis, que nous avons dans ce pays la police militaire qui se trouve être soit l'auditorat militaire, ou soit il y a aussi un auditorat supérieur. Est-ce que le renseignement militaire in specie sont-ils mieux placés pour aller récupérer un bien appartenant à l'État? J'estime que si on devait procéder à récupérer le véhicule, ça aurait été logique que la police ou bien l'auditorat, il y a un distinguo entre l'auditorat militaire, l'auditorat supérieur et le service de renseignement. Ok. Mais le régime, malheureusement, jusque-là, on ne connaît pas les faits pour lesquels on a saccagé la fondation. On a saccagé la fondation. Il y a eu même ceux qui se sont plaints que leurs montres ont été emportées, les biens, les ordinateurs ont été emportés. Tout ça, c'est un problème. Et il se pourrait aussi que un entrepôt de la société Égale se trouvant à Beaumarchais a fait aussi l'objet de la même pratique. On se pose la question, pour, si l'on travaillait bien, pourquoi l'on a peur? Aide-moi sur la réaction. Bon, merci beaucoup d'abord de l'invitation. C'est simple à comprendre. Il y a eu une invitation et Dada, Jeannette Kabila est allée répondre et aujourd'hui nous parlons et elle est libre. C'est-à-dire quelque part, on a activé la procédure et on a suivi la procédure et elle a été relaxée. Et ce que peut-être qu'on peut déplorer dans la démarche, c'est qu'il y ait eu des casses et tout le reste. Mais vous allez vous rendre compte que dans cette histoire, la communication va seulement dans un sens, pas dans l'autre. Okay. Parce que généralement, la DEMIAP ne communique pas. Deuxième chose, c'est que même la dame qui a été interpellée n'a pas aussi communiqué. Parce qu'en réalité... Elle a fait un communiqué là pour dénoncer la perquisition sans... Oui, mais ça c'est bien avant. Mais après son interpellation, après l'audition de plus de 6 heures, elle n'a pas communiqué. Elle est rentrée. En amont, ils ont communiqué du fait que lorsque les hommes à une forme se sont présentés, ils n'ont brandi aucun document. Oui, mais voilà pourquoi je dis, quand on dit que la perquisition s'est fait suivre du désordre et des casses, peut-être parce qu'il y a eu aussi résistance. Je ne comprends pas des agents de sécurité qui surveillent la résidence trouver en face d'eux des gens qui se réclament également de la justice militaire, mais qui ne brandit aucun document. Et pourquoi orienter la DEMIAP, pourquoi pas l'ANER? Pourquoi on n'a pas cherché le service civil? Moi, j'estime qu'il y a Anguille Souroche, il y aurait un dossier en dehors du véhicule présenté. Il y aurait un dossier avec des indices militaires. Ok. Donc, on aurait demandé à la... Oui, mais s'il faut spéculer, moi je pense qu'il faut aller dans ces sens-là. Parce que la présence des militaires ne s'expliquerait pas. Sinon, Salomon aussi serait arrêté par les services de l'ANER. Mais pourquoi on a utilisé les militaires? Parce que tout simplement, il y avait des indices militaires dans son dossier. Et je présume, moi, tant qu'analyste, j'estime que dans le dossier de Jeannette,
Nico Fall nous a relevé que nous a révélé qu'il y a eu aussi perquisition d'un des entrepôts, c'est ça, de Egal. Egal. Mais par le même service. Oui. Je pose la question. Ils ne se sont pas présentés. Bon, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a eu concomitamment les deux services qui ont travaillé, ou le même service qui a travaillé, mais dans deux endroits. Donc, on va suivre ça de très près, mais on doit savoir aussi que depuis cette histoire de Corneille Nangaa a pris de l'ampleur, sa rébellion, il n'y a quand même pas plus. La plupart des jeunes du PPRD, du parti de Joseph Kabila, sont en train de partir. Oui, sont suspectés. Ils sont suspectés. Ils ont tous disparu. On les voit pas. Moi, je dirais pas qu'ils ont tous disparu, mais ils sont suspectés. Mais Jean-Jacques Mamba était ici, hein, après qu'il a disparu du MLC. Il n'y a pas que les gens des PPRD. Non, moi je dis c'est Mamba aussi. Non, moi je dis c'est moi je parle du PPRD. Je ne sais pas si vous parlez de Mamba. Oui, du protocole. Mamba est allé en Europe, il est allé à Bruxelles et puis après il a fait sa déclaration. Je ne sais pas comment il participe avec Corneille Nangaa, mais jusqu'à présent, jusqu'à la preuve du contraire, il est toujours en Belgique. Oui, mais il s'est déclaré comme notre M23. Oui, ben ça dit, il soutient la rébellion, il soutient ce qui tue le Congolais, donc lui aussi est capable de tuer le Congolais. Alors, bien avant, n'oubliez pas, parce que je parlais déjà du PPRD, il y en a d'autres qui ne se sont pas encore identifiés, mais qui sont de mèche avec Corneille Nangaa. Il y a le jeune Chalet, gouvernement, s'il vous plaît. Les frustrés vont aussi grossir les raisons d'un droit. Bon. Les frustrés de l'Union sacrée. Oui, mais ils vont perdre dans l'opinion, parce que ce n'est pas un chemin à suivre. Donc, vous allez vous rendre compte que, en dehors d'Adam Chaleux, il y a certains jeunes qui soutiennent à distance, selon les informations que nous avons. Et deuxièmement, il y a un jeune qu'on a arrêté, le président de la Ligue des jeunes, Papi Poumou. Lui, on dit que c'est une affaire personnelle, des femmes... Ne vous en faites pas. Cette affaire personnelle est complètement faux. Complètement fausse. Parce qu'il n'est pas le seul à être arrêté. Tu sais ce qui se passe là-bas d'État. Non, mais je vous dis... On dit que lui, c'est une affaire... Le problème avec nous, c'est que nous n'avons pas le temps de nous informer. Les dossiers. Les autres ont dit non, moi je parle des sources qui m'ont donné l'information. Les sources m'ont dit que c'est une affaire des femmes. Non, mais les sources qui l'ont. Il y a pour l'affaire des sources qui était puissant, l'autre est devenu puissant. Alors là, c'est pour eux-mêmes que. Mais comment c'est lui qui a eu à épouser la même femme après Poumoué. Et serré aussi. Dans les jeunes. Pas serré aux arrêts, il a été arrêté. Il a été arrêté. Non, mais vous parlez des histoires de femmes, mais moi je parle du domaine de la sécurité. Ce que dit le maman, c'est vrai. Non, mais Peter Tiani, c'est vous qui voulez mêler tout ça. Non, mais moi je ne suis pas dans des histoires de femmes. Je parle de ce qu'ont informé les sources dignes de foi. Concernant le monsieur dont vous faites mention, le pasteur qu'on a arrêté à Malembakoulou. Bon, il n'était pas à Malembakoulou, il était en train de quitter Malembakoulou pour venir à Kinshasa. C'est alors qu'il a été appréhendé. Et vous savez, avant qu'il ne quitte Malembakoulou, il y avait des scènes qui se sont succédées à Malembakoulou. Lesquelles? Oh, mais vous ne savez pas qu'il y a eu des attaques contre les Loubas à Malembakoulou. Ouais. Allez vous renseigner. Et... On a dit que la dame a été arrêtée. Arrêtée. Ce sont des informations fausses aussi.
Parce que vous pouvez appeler la dame maintenant, elle vous dira les conseils. Elle a raison, surveillée. S'il vous plaît. Vous avez dit qu'elle a été arrêtée. C'est okay. Oui, elle a été interpellée. Mais lui, il a parlé d'arrêter. Qui a moi qui a appelé? Je ne sais pas. Vous commencez maintenant à nier. Donc, le problème ici, Peter, c'est qu'il y a un dossier sensible que nous rigolons. Okay, mais c'est des dossiers qui font mal. Moi, je ne comprends pas. Non, c'est pas mal parce qu'on a l'impression qu'on veut maquiller des choses qui sont. Non, non, on ne veut pas maquiller. Non, c'est plus... Je suis sûr et certain. On ne réfléchit plus. Non, je suis sûr et certain. On vous dit quelque chose, on vous dit que c'est comme ça. Lui, il a dit qu'il y a tout un service qui fonctionne pendant que nous restons dans, dans notre quiétude. Je suis sûr et certain qu'on aurait arrêté Adam Charles bien avant qu'il ne se rende là-bas. On sortirait un dossier comme ça, du genre, voilà, on est en train de maquiller tout comme ça. Comme on était Jean-Germain mais vous, oui, mais vous, oui, mais vous le dites avec beaucoup de légèreté, mais il s'agit des vies des gens. Les services de sécurité fonctionnent et n'arrêtent pas pour arrêter. Edmond. S'il vous plaît. Edmond. S'il vous plaît. C'est langage, on a écouté ça sous Kabila ouais. Quand on voulait charger des gens. C'est la photo de la tweet, il y a président Félix. Attendez. C'est, on a c'est l'image ici. Non. Sous Kabila, on a vécu et ça. Et vous pensez que c'est. Que... Les services de sécurité, si vous s'il vous plaît, tuer, s'il vous plaît. On Peter. Vous plante quelque chose. Peter. Le président, mais ça c'est le sensationnel. Ça, c'est le Félix qui s'est fait. Ça, c'est du sensationnel, attention, c'est Fatih. Oh, Fatih, pourquoi on ne peut pas le contenir. Joseph Kabila a la raison. Sa haine et sa rancœur finiront par le. Mais ça, c'est l'émotion, ça. S'il te plaît, attends. Oui. Finiront par le perdre. La violence ne doit pas être la réponse à cette adversité. Elle finit toujours par se retourner contre son auteur. Libérez Jekoko Mulumba, vous ne gagnerez rien avec sa mort. Voilà. Ça, vous parlez de la violence. Pourquoi je dis ça? Jekoko était arrêté pourquoi? Par la mère. Et qu'est-ce qu'on avait reproché à Jekoko? On a l'impression que, sur ce base des questions de sécurité, des renseignements, on charge des gens et après... Non, ici, non, il faut rappeler... Dossier de Jekoko, Jekoko a été jugé par la justice civile, condamné. C'est un condamné de justice civile. D'accord. Pour quel fait escroquerie. Bon. Non, le domaine dans lequel on l'avait arrêté par les services, un monsieur avait fait quelque chose, il a appelé Jekoko, j'aurais venu intervenir. Non, moi je dis ceci, Peter Tiani. Tu vois ce qui s'est passé? S'il vous plaît. Toi, tu parles d'une autre affaire, moi je parle d'une autre S'il vous plaît. S'il vous plaît, Peter Tiani. Sinon, on risque de se perdre dans ce débat. On est en train de parler, je rappelle, encore des sujets très sensibles. Et l'affaire est encore en cours d'instruction. Okay. Je dirais même, les enquêtes se poursuivent. Donc, il serait mieux, pour ne pas assez commenter une affaire qui se trouve au niveau de l'instruction, c'est de spéculer autour de ça, mais pas d'aggraver. Parce que là, je suis en train de dire que certainement qu'ils sont innocents. Mais ils n'ont qu'à prouver leur innocence. Okay. Et on était dans le dossier de Jeannette. Moi, j'ai dit, le fait pour moi, comme analyste, qu'on ait envoyé les services militaires, c'est que dans le dossier de Jeannette, je ne dis pas qu'elle est, elle n'est pas innocente ou elle est innocente. J'ai dit qu'il se trouverait des indices militaires. Donc, voilà. Non, quand vous dites quelque chose que il a été arrêté et vous supposez que non, ils doivent démontrer leur innocence. Non, non, moi ils je ne dis pas qu'ils doivent. Non, non, moi je dis ceci. Non, il ne faut pas édulcorer mes propos. Là, qu'est-ce tu as changé. Moi je dis ceci. Non, non, moi je dis que l'affaire est au niveau de l'instruction. Okay. Les enquêtes se poursuivent. Et j'ai remarqué que dans cette affaire, même la personne qui a été interpellée pendant 6 heures du temps, elle a préféré fermer sa bouche. Comme dans ses habitudes. C'est pour dire que comme les services de la DEMIAP ne fonctionnent, ne communiquent pas, parce que, excusez-moi, ne communiquent pas, la dame non plus ne communique pas, alors cherchons des informations ailleurs. Ils ont quand même communiqué dans les cas Salomon. Il est toujours important que nous puissions avoir le temps aussi de réfléchir. On ne peut pas nous empêcher de réfléchir, Edmond. Nous avons des choses... C'est quand c'est les services, quand c'est les renseignements. Les renseignements militaires nous avaient dit que Salomon avait une arme. Une arme qui est tombée le jour... Dans la marche. Pendant que cette arme-là est tombée dans la, ici, à la CENI, le jour des trucs de la CENI, les jours après la marche. Donc cette arme-là est tombée bien avant le jour que ça devait tomber. Et après, ma tête nous dit que ce n'est même pas l'arme de Salomon, c'est l'arme de son garde.
Et après, dans la justice, on enlève même cette accusation. Et qui dit la vérité dans tout ça? Non, attends. Qui dit la vérité dans tout ça? Déjà, c'est au niveau de la justice. On a... Non, moi, j'ai dit ceci. Qui dit la vérité? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne doit pas prendre ce que les autres disent pour parole d'évangile. Non, moi, je n'ai pas dit que c'est parole d'évangile. Je donne un dément. La BBC rapporte, mais on a le rapport faux pour Itokangi. Mais quelque chose où la police, le général Blaise, qui est Malimba, je pense que celui qui a signé. Je l'aime bien, apparemment, je vois qu'il est quand même chaud. Mais un document où, si tu filmes les policiers en train de faire des bêtises, c'est toi qu'on va arrêter parce qu'on dit que tu ternis l'image de la police. Est-ce que ça a sensible au rapport? Non, lui, il devrait plutôt sanctionner les policiers. Voilà! Si nous sommes, c'est nous, là, vous êtes là. Tu viens de dire quelque chose de très important. Quand Joseph Kabila et Félix Tshisekedi se sont vus là-bas, c'était une honte pour le pays. Il devait quand même, pour l'image du pays, avoir de la hauteur, de l'humilité, de se tendre la main. Nous, nous sommes des observateurs de la société, des morts. Ce qui est le cas, c'est que les policiers policier ont été battus, ils ont été portés, ils ont été portés, ils ont été portés. Ils ont filmé, ils ont tweeté. La justice existe et les lois de la République existent. Les gens ne doivent pas se substituer à la loi. Fondation M. Laurent Désiré Kabila. Mais écoutez, moi, c'est triste. Complètement triste pour ce pays. Moi, comment va réquisitionner une Jeep? Je pars d'un principe. Tout ce qui est maintenant lié à l'appareil sécuritaire, pourtant nous avons plusieurs services de sécurité, c'est que ça ne va que du côté de la DEMIAP. Nous avons plusieurs services de sécurité. Nous avons l'ANR, nous avons la DEMIAP, nous avons tant d'autres, la CNS. Mais pourquoi seulement tout concourt autour de la DEMIAP? Si tu vois bien Peter Tiani, depuis que nous sommes là, tout concours autour de l'ANR. Je vous ai parlé de trois services importants qui travaillent pour la sécurité du pays. Mais c'est pour souvent pas trop de boucan. Quand la CNS opère, est-ce que tu attends du boucan? Par exemple, pas. Quand tu apprends l'ANR opérer, il n'y a pas de perte de boucan. Mais quand tu vois la DEMIAP, tout concours autour de la DEMIAP. Le cas ici, Salomon Iskadila. Edmond l'ADEMIAP ne communique pas, mais aujourd'hui tu l'as mis en difficulté. Tu dis que l'ADEMIAP a communiqué dans les dossiers Samuel Escadilla. Oui, point de presse. Point de presse. L'ADEMIAP a communiqué. Mais pourquoi d'autres? Je ne peux pas rentrer dans la sécurité, mais comme journaliste, on comprend. Maintenant, on dort, on se réveille. Non, il y avait des gens, des mèches qui étaient des mèches avec les M23 qui ont été présentés à l'ADEMIAP. Par les porte-parole, je crois, John de l'Armée, Sylvain et Kenge, je pense. La DEMIAP. Et puis les gens qui ont suivi, non, c'est aussi la DEMIAP qui est allée, je pense, perquisitionner à la fondation Moïse Laurent Désiré Kabila. Et puis après, Joseph Kabila interpellé par la DEMIAP. Il y a plusieurs services. Moi, je ne veux pas foutre mon nez dans les services de la DEMIAP, mais c'est quand même trop de communication concernant la DEMIAP depuis l'affaire Salomon Escadilla. Où il y a trop de corruption, des miap. Vous voyez un peu. Ou quand on arrête certaines personnes, mais d'abord, nous on a des miap dans le cas Chéri Bonkende. Tout, vous voyez un peu, moi, ça, Chéri Bonkende, ça vient. C'est toujours, tu vois, la DEMIAP. Mais tu sais que la DGM fait partie de ses services de sécurité aussi. Oui. Je veux pas des services de sécurité. Là, on doit aussi comprendre qu'est-ce qui tourne autour de la DEMIAP. C'est pour la DGM. Nous avons la CNS. C'est des services, même la DGM. Ça travaille pour la sécurité. Ouais. Mais toutes les communications ces jours ici convergent vers la DEMIAP. Les arrestations. Les arrestations. Les cas chez Ribé Okende. Tantôt, on ne sait pas, c'était l'année, tantôt, des biens. Non, ça, un service de sécurité, des fois, quand ça opère. Ça doit agir de manière soft. Ça doit agir de manière soft. Mais quand il y a trop de bruit autour de la DEMIAP, moi je pense que comme tu l'as dit, ça opère. On ne peut pas enfreindre au travers de la DEMIAP. Parce qu'il fait un gros travail, pas pour nous. Mais quand il y a trop de communication sur un service de sécurité, ça ne fait pas bien. Tu ne vas pas voir dans un pays comme les Mossad, quand Israël, quand les Mossad opèrent, tu vas entendre le Mossad. Donc, nous, si on transpire, on travaille sous tu ne comprendras pas que le Mossad a opéré. Il n'y a pas de courant. Ils vont nous suivre, même. Il n'y a pas du courant. Les MSI, les MSI, au niveau de la NASA,
C'est des services d'intelligence. Même que je serai suivi. Vous comprenez? C'est des services d'intelligence. Donc, de ce côté-là, il y a au jour ici, ces jours ici, une très forte montée communicationnelle autour de la DEMIAP. Ça gêne, hein? Et ça, il y a plus, Jupiter, il y a plusieurs services, je vous rappelle ici. Très bien. La DGM est un service, la DER est un service, la CNES est un service. Et pourtant, la CNES travaille, hein, sérieusement. Travaille sérieusement. Avec le vieux ici. Le prof. Le prof, Jean-Louis et Sambo. La CNES. Prof. Vous voyez, la CNES travaille. Donc, pour les communications autour de la DEMIAP, moi, je pense que ça ne sonne pas bien. Très bien. Sans pour autant remettre en cause le travail que fait la DEMIAP. Mais aussi, sans pour autant remettre en cause le travail que fait mon général Christian Daywell. Je ne peux pas remettre ça en cause. Mais comme analyste. Un général bien formé. Oui, comme analyste. Quand même, hein. Comme analyste, j'ai dit qu'il y a trop de communication autour de la DEMIAP par rapport à d'autres services de sécurité. Très bien. Que je venais de citer ici. L'ANER, la DGM et l'ANR. Et la CNES plutôt. Ça travaille aussi. Mais tu ne vois pas trop de communication autour de ça. Très bien. Le cas Kabila, écoutez, tu as eu raison. Kabila fut ancien président de la République dans ces pays. Je ne peux pas ici prêter allégeance à l'idée où Mme Jeannette Kabila était inculpée dans un schéma à l'idée de déstabiliser les pays. Je ne peux pas prêter les flancs, c'est là. Mais ça donne aussi une autre image encore des règlements de compte. Oh, mais Peter. Bon, c'est trop, trop actif ça. Non, pas actif. J'ai les comptes de Kabila pourquoi je ne le dis pas. D'abord, la fondation Mouzéré. Pourquoi les faire écoutez. Plus de 5 ans. Peter, écoutez. Pourquoi c'est la deuxième fois que cette fondation. Troisième fois. Vient d'être perquisée. Troisième fois. Mais aujourd'hui, pourquoi le faire 5 ans? Non. Troisième fois. S'il te plaît, écoutez. Laissez-moi terminer. Non, mais laissez-moi. Vous me laissez-moi terminer. C'est pas des fous. Mais oui, mais moi, j'ai pas dit ça. Je vous parle. Je vous parle. Ne peux pas se réveiller comme ça. Mais je vous parle que c'est pas. C'est la troisième fois que ça a été perquisitionné. Kabila était président de la République. Il a droit de vivre ici. Lui, sa femme, ses enfants. Il vit. Il vit. Alors, demain, tu sais qu'il ne sera plus président de la République. Mmh. Aussi. Il devra, vivre dans la quiétude dans son pays. Il doit vivre calmement. Très bien chez lui, avec maman Denise Yakero, mmh. Anthony Tshisekedi, Serena Tshisekedi, encore Kifani Tshisekedi. C'est leur pays. Mmh. Non, moi j'aime Serena. Et c'est dans quel pays où tu vois l'ancien président et le nouveau président et l'actuel président, c'est toujours le tiraillement. Après la rupture de l'accord, tu venais de le dire, c'est qui c'est pas son niveau de la Namibie. Ça a quand même choqué. Ça a choqué. Ouais. Mais regardez le bel exemple que les Namibiens, les Kenyans nous ont donné ici, entre Uhuru et Ruto. Ils sont ça de Martin. Mais ils sont ils sont là-bas à couteau tiré. Ouais. À couteau tiré. Mais là, ils ont dit non, ça c'est les pays effaçons tout ça, taisons. Ils se sont embrassés. Ils ont ils ont parlé. C'est différent. Moi, ce que je veux, ne donnons pas cette image que tu sais Kabila ne soit pas là, qu'il soit qu'on. Qui des acharnements pèsent sur lui. C'est quand même notre ancien président. Un ancien président de la République. On le veut maintenant, il entre dans l'histoire de la République. Sans pour autant entrer dans les secrets de l'appareil sécurité. On l'a combattu, mais il mérite. Tu sais qu'il dit aussi passera. Il sera aussi sénateur à vie. Okay. Il y aura un autre président. Dans 4 ans. Dans 4 ans. Et par exemple, si Kaboun arrivait, Kaboun ou président de la République, Fayoun ou Katoum et Matata, pour chasser, tu sais qu'il dira non. Il doit être les on touche pas au fils de on touche pas. Il a quand même servi ses pays. Non. Mais là, c'est quelle image quand Edmond dit tous les anciens du peuple, les jeunes, bah, qui m'a pas voulu en il y a des informations de. Laissez-moi parler. Nous avons traité cette question avec beaucoup avec de longues fourchettes. Peter, ça c'est moi. Je n'ai jamais Kabila. Tu veux laissez-moi parler, s'il te plaît. Écoutez, Jeannette n'a plus de passeport. Jusqu'aujourd'hui. N'a plus de passeport. Écoutez. Les services n'ont plus de passeport. Non. A-t-il un passeport ou pas? Attendez. Moi, n'est-ce pas? A-t-il introduit la demande? N'est-ce pas qu'il y a un souci au niveau de la fonction de passeport? Ah, tu vois ça? C'est pas général. Moi, ce que je veux dire, il y a une vie après la présidence. Très bien. Tu sais qu'il ne sera plus président de la République, il vivra calmement. Très bien. C'est là où j'ai dit ici, Peter Tiani,
Le pays fait face à des très sérieux problèmes. On doit se mettre ensemble. On nous attaque ici, on nous impose une guerre ici. Nous devons construire cette unité nationale. On a besoin de Kabila. Tshisekedi peut aussi apprendre de Kabila comment il a défait les M23. Okay. Il a géré ce pays pendant 18 ans. Moi, je suis sûr. Mais laissez-moi terminer. C'est comme ça. Il a été président de la République pendant 18 ans. Exact. Tshisekedi lui-même dans l'opposition, avant d'être investi, on lui a posé la question chez Christian Lusakweno. De tous les candidats présents, vous respectez qui? Il a dit, la seule personne que je respecte, c'est Kabila. Parce qu'il a géré le pays pendant 18 ans. Exactement. J'ai pu bénéficier d'une expérience venant de lui. Exactement. Okay. On est là face à une guerre. On ne peut pas solutionner cette dynamique interne, cette projet national. Alors, mais ça fait qu'il est derrière, comme, encore je ne sais pas, comme Tshisekedi passera, quand tout peut arriver, Matata, Tshisekedi, moi je peux arriver. Toi tu peux arriver, nous on peut arriver, on peut toujours recourir à l'expérience de Tshisekedi. Mais maintenant, quand maintenant on veut construire un pays qui est déjà fragilisé et qu'il faut maintenant, je le confirme ou pas, qu'il faut fragiliser certaines personnes, nous détruisons nous-mêmes cette cohésion nationale. Moi, je n'entre pas dans les secrets des services de sécurité, mais l'image que ça donne, c'est ça, dans l'opinion, c'est alors, une très mauvaise image. Pour la levée de du moratoire sur la peine de mort, mais Peter Tiani, pour comprendre le dossier politique. Peter Tiani, ça c'est reculer, c'est un vrai recul de la démocratie. Plus grave pour l'UDPS, un parti qui a combattu pour la liberté d'expression, les droits humains. Nous mettre ça, c'est grave. Même Kabila, pendant 18 années, il n'a pas pu faire qui a subi l'infiltration. On dit qu'on a remis cette loi pour ces moratoires. Pourquoi? Ça a été levé pourquoi? Pour faire face à l'infiltration, pour faire face à la traîtrise, à la trahison. Mais Kabila qui a géré pendant 18 ans, il en a fait, il en a connu, il a même défilé M23. On recule Peter Tiani. On recule de très loin. On recule de très loin. Si aujourd'hui, il faut mettre en place ces moratoires sur les droits humains, sur la peine de mort. Peter Tiani, ça signifie quoi? Il faut aussi commencer aussi, dès les débuts, par ceux qui ont touché les armes contre les pays. On a les rapports mapping ici. Qu'on n'arrive pas aujourd'hui à activer le Conseil de sécurité n'attend que la RDC d'activer les rapports mapping. Dans les rapports mapping qui sont dedans, Peter Tiani, c'est ceux qui nous dirigent aujourd'hui dans les gouvernements. C'est des généraux qui s'y retrouvent. On doit seulement écrire au Conseil de sécurité. Si on a suscité, réveillé ces moratoires, pour faire face à l'infiltration, pour faire face à ceux qui veulent rallier les M23, mais ça, maintenant, commençons aussi à juger ceux qui ont touché aux armes contre les pays. Il y a des gens qui ont touché aux armes contre les pays. Mais ils ont été dans la rébellion, les Moussaniamou ici. Le Jean-Pierre Bemba. Les premiers subir la peine de mort. Laissez-moi. Moi, je sais que j'ai dit, ils sont plusieurs. Les premiers à subir la peine de mort, c'est d'abord eux. Mais il faut commencer par eux. Du sang. Oui, il faut commencer par eux, Peter. C'est une boîte à Pandore. Les gens ne le savent pas. Ok. C'est une boîte à Pandore. Parce que vous dites ça, on fait ça contre ceux qui ont fait les gens sur M23. Mais il y a aussi des gens qui ont travaillé avec les pays qui nous ont agressés. Mettons-les aussi, il faut les exécuter. Et puis je lisais Robert Brabadel, je pense, avant de venir ici, l'ancien ministre de la justice Mitterrand. Il vous disait quoi? Personne n'a le droit d'ôter la vie à une personne. Quel que soit son crime, personne n'a le droit. Laissez la personne. Qu'est-ce qu'on dit? Utiliser soit purger sa peine. Donc on peut aussi te purger sa peine. Tu es avec les M23. Maintenant, ici, on nous apporte ce moratoire qui venait de l'être élevé. Nous avons une justice qui pose sérieusement problème. Une justice malade. On va subir des règlements de compte ici. Peter, nous allons subir des règlements de compte. Dans des vieilles démocraties, des pays qui ont instauré ça, dans des pays qui combattent ça, c'est tous les jours ici, d'abord, ils ont d'abord une justice assise. Nous, notre justice, elle est assise. Dans des pays sérieux, quand on parle de justice, on parle des enquêtes, des contre-expertises. Mais ici, nous avons une justice assise pour nous instaurer ça. C'est quand même grave. Ça, on nous ramène du temps de Mobutu quand les martyrs ont été sacrifiés. Excusez-moi pour le dire. Ont été sacrifiés de la Pentecôte, ont été sacrifiés au stade de martyrs. C'est là où j'ai dit, c'est quand même grave que Peter Tiani, que cela vienne pendant le régime de l'UDPS. Merci. Mami, peine de mort, un mot. Oui, d'abord,
Quand on dit la justice est malade, ça ne relève pas des journalistes, en tout cas ça relève du président de la République lui-même, okay. Parce que déjà avec les contentieux tels que vécus par la Cour constitutionnelle, vous sentez qu'il y a des climats malsains dans beaucoup de provinces. Les gens n'ont pas été attaqués, qu'on a... Oui, la... on n'a pas attaqué la, quelqu'un. La paix sociale... Mais oui, mais invalidée. Ah, mais aussi, il y a un cas, s'il vous plaît. Oui, tu as parlé. Oui, bah, moi je m'en dis qu'on vient pas. On peut par une plainte, d'après ce que j'ai lu aussi, par une plainte, revoir toute la liste de tous les candidats. Merci. Et aussi, le mal, c'est qu'on a réhabilité des gens qui ne devraient pas l'être. Donc, c'est-à-dire. Les mêmes noms sont revenus, les mêmes. Oui, par exemple, je ne sais pas s'ils ont suivi des grands noms ou qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite. Parce que je prends, par exemple, le cas de Katanda. Nous sommes au Kasaï oriental. Nous sommes à Katanda. Vous pouvez poser la question et faire les baladeurs autour de l'élection de Sami Badibanga. On vous dira. Il y a un jeune qui l'a battu à plate couture, Olivier Sendoula. Mais regarde comment, regarde ce que la Cour a fait. La Cour a jugé bon de rétablir, de réhabiliter ou d'invalider Sindoula qui a été élu, voté, et des preuves existent au détriment de celui qu'on n'a même pas vu à Katanda. Aïe, 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 aïe. Donc déjà quand vous avez une justice qui ne marche pas normalement et correctement, je pense qu'on devrait avoir du recul à poser de certains actes. Dans le sens d'avancer cette justice. Donc, du coup, le problème de ce moratoire, c'est un problème de fond qui n'a pas été résolu. C'est un problème posé par le chef de l'État lui-même parce qu'il dit que la justice est malade et en cours de guérison. Il n'a pas encore guéri la justice. Mais maintenant, la justice va commencer à tuer. Voilà. Déjà, là, on souffre beaucoup. Il y a beaucoup de conflits parcellaires. Ce sont des expatriés qui viennent ravir. Ils viennent d'abord vous proposer pour l'achat. Quand vous refusez, et puis, voilà, ils vous ravissent. Et voilà, il y a des comptes. Oui, donc, déjà, avec une justice qui agit comme ça, vous brandissez un dossier de peine de mort. Ça veut dire que on veut vraiment... tuer les Congolais. On veut tuer des innocents. Parce qu'on a, déjà un innocent qui est en prison, de surcroît un journaliste connu de tous, mais qu'on le maintient. On a aussi le cas de Salomon Escadella qui n'est pas encore jugé, mais déjà la prétention du procureur oriente les dossiers vers une condamnation aveugle. Donc, il y a des cas comme ça qu'on risque de s'accrocher. Pourquoi? Parce que c'est un règlement des comptes, parce que on veut terminer avec lui et tout ça. Donc, je pense que c'est une décision qu'il faut très vite retirer et attendre une bonne justice. Et bon, après, Jean-Pierre, une bonne justice. Parlé pendant son interview avec Christian Moussakono. Oui, mais il y a toujours. Il y a toujours des manières de faire pression à ces Congolais qui collaborent avec les ennemis pour nous massacrer. Il y a beaucoup de méthodes. Moi, je ne pense pas que ce sont ces méthodes qui vont terminer cette traîtrise, cette trahison qu'il y a au sein de l'armée. Pourquoi? Parce que si déjà nous avons une armée dissuasive, je pense que de tels actes, on n'attendrait même pas un moratoire, on n'attendrait même pas. Le Congolais seront disciplinés. Mais nous assistons à une sorte d'absence de l'autorité de l'État. Et ce qui fait en sorte que... Voilà, les Congolais, ils choisissent là où ils peuvent se rendre pour gagner du pain, pour tuer même, pour toucher même ce qu'on appelle l'argent du sang, en fait. Voilà. Donc, mais, et puis, il y a aussi, comme Edmond devait le dire, qu'il m'excuse, je comprends que l'État fait face à un vrai problème des défis sécuritaires, que ça n'arrive pas à relever. Mais là, c'est l'État totalement. On nous a apporté l'État des sièges. L'État pensait, le gouvernement pensait que l'État des sièges pouvait résoudre les problèmes de l'insécurité dans l'Est. Ça a complètement tâtonné. Maintenant, on nous apporte maintenant une proposition aujourd'hui qui mettra en difficulté même le bien vivre ensemble, notamment la liberté d'expression. On va subir par ça, règlement des comptes, les arrestations arbitraires des hommes politiques. Des faux bruits. Des faux bruits, des journalistes. Ça va instaurer une terreur dans le pays. Où les gens pourront se dire, on ne peut plus parler, on ne peut plus librement vendre et mettre des idées, parce qu'il faut craindre maintenant, qu'est-ce qu'on dit, la peine de mort. Ça, est-ce que ça instaure un bon climat
dans un pays, qui se dit réellement démocratique. Je ne pense pas. Donc moi, je veux bien, si on instaure ça, qu'on commence par ceux qui ont touché aux armes. Jean-Pierre Bemba a été jugé pour des faits qu'il a commis en Centrafrique, et non pour des faits qu'il a commis en République démocratique du Congo. Alors, si on met ça, il faut qu'on commence par Jean-Pierre Bemba. Parce que non, qui sont imprescriptibles, tu vois, commis au niveau de la Centrafrique par la République démocratique du Congo. Les faits, c'est aussi... Aussi, Jean-Pierre Bemba a été acquitté, donc ça veut dire... Non, mais il y a prescription. Il y a l'affaire subornation. Donc, les faits, il faut aujourd'hui... remonter la filière jusqu'au congolais qui ont touché aux armes. Jusqu'à Mboussa Nyamou, ils sont là. Les types ici qui étaient à la CPI, non, lui, je pense qu'il a eu de joie. Oui, mais ça pose problème. Oh, mais ils sont protégés par une loi d'amnistie. Ça pose un problème. C'est pour vous dire quoi, Peter. Ils sont nombreux. C'est pour vous dire que cette idée doit être mise de côté, mise en veilleuse. Très bien. Laissez-nous nous battre calmement avec ce que nous connaissons lié à la vie politique du pays. J. Kennedy a dit à vouloir étouffer les révolutions pacifiques, on rend inévitables les révolutions violentes. John F. Kennedy. Hein? Réaction, levée de la peine de mort. Bon. Vous voulez que je vous parle en quelle langue? Je vous ai toujours dit que depuis que les Mobutus et leurs enfants sont revenus au pouvoir, ils sont en train de penser que nous sommes encore vers les années 80. Vous voyez les pratiques que ce régime est en train de réinstaurer. Ce sont les pratiques que nous avons combattues à l'époque du Zaïre. Et aujourd'hui, ce n'est plus encore la République démocratique du Congo, c'est la République fantoche du Zaïre. Vous avez connu l'affaire d'Évariste Kimba, le pendu de la Pentecôte, Emmanuel Mbamba, Alexandre Maramba et Jérôme Anani. Stade de martyrs, les téléspectateurs. Vous entendez, stade de martyrs. Mais posez la question, pourquoi stade de martyrs? Mobutu et ses amis, aujourd'hui, les Mobutis et leurs enfants qui sont revenus, veulent encore réinstaurer le totalitarisme. Que personne ne parle. Même aujourd'hui, la plus grande démocratie au monde aux USA, là où il y a les juges et les magistrats debout sont indépendants. Il se pose ce problème-là. Les bourreaux disent quoi? Il y a lors de certaines exécutions, le dernier cri de l'exécuté, il ne cesse de crier à l'innocence. Les bourreaux, dans une justice, là il y a la justice. Bien qu'il y ait la justice, disent que non. Lorsque le bourreau, c'est qui va te respecter? C'est-à-dire, Moto Batina a achevé Moutouana. Mais les Américains disent que non. Et Nabomaka, le dernier cri à Moutouana, je suis innocent. Là où il y a la justice. Mais par rapport à un tir comme celui-ci, regardez les similarités entre ce régime et la Russie de Poutine. Alexei Navalny est mort où? En prison. Cher Ribé, on vous a dit quoi? Moutouana l'obaté. Les similarités, hein? Juge Yangi, Moutoua Lobaté. Les similarités. Et des lois que Poutine. Aujourd'hui, en Russie, si tu dis que non, nous sommes en guerre contre l'Ukraine, on t'arrête il y a 8 ans. C'est différent de ce que. C'est le communiqué qu'on nous produit ici que non, ne commentez pas. C'est différent. Ce n'est pas le totalitarisme. Là où vous trouvez les membres du gouvernement qui estime que nous sommes dans un contexte d'incompatibilité. Et même c'est juste la justice. Pour que la justice leur donne au moins la possibilité de faire des meilleures manœuvres. Il y a un arrêt qui leur interdit. Il leur demande de démissionner. Qui leur interdit. La Constitution a son article 108 passé au référendum. Ça, ce n'est pas le manifeste de l'enseigne. Où on dit les députés et les sénateurs, leurs mandats sont incompatibles.
Mais vous trouvez un tout puissant qu'on appelle le président de la République. Il dit, oh, on vous dit, mais il va vous dire que non, le président a dit. C'est-à-dire, on a quelqu'un qui est au-dessus de la Constitution, qui est au-dessus des arrêts de la Cour constitutionnelle. Et quelle justice mourante ici, agonisante. Et lorsqu'on dit que non, la justice est malade, quelle maladie? C'est une maladie mentale, psychologique. Oh. Est-ce que peut-on donner l'arme, la possibilité à un dément, à un fou? Parce que un dément, un fou, s'il vous tue, Bako Kangayete. Parce que c'est un problème. Oui, c'est, il est irresponsable de ses actes. Mais par rapport à une telle justice, qui au bout d'un appel, les magistrats peuvent vous faire des histoires. Changer même une décision. On peut vous faire des histoires. À l'arrache même des maisons. Oui, des histoires. Ok. Les magistrats qui n'ont même pas de frais de fonctionnement. Qui n'ont même pas de bureaux. Qui n'ont même pas de bureaux. Change de discours, du débat. Alors, c'est quelle justice dont vous nous parlez? Je ne suis pas d'accord avec la peine de mort. Écoutez, la peine de mort, c'est un débat que nous avons eu vers les années 2001-2002. Moi qui vous parle, je suis rétentionniste de la peine de mort. Je ne suis pas aboliste. Ok. Moi, je suis moudjahidien. Donc, vous êtes d'accord avec ça? Non! Je suis rétentionniste, mais pas avec un tel régime totalitaire. Où on estime qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de la Constitution. Très qui fout nos pieds les décisions de l'arrêt, de, la ré, de la justice. Merci. Bon, cher Peter, il y a trop de l'émotion ici. Hein. Ok. Cher Bouya, Yabou, tu as trop peur. Hein? Et ta peur peut tracer de Congolais. C'est pas bien. Ok. C'est un gouvernement qui s'est réuni en conseil des ministres. Okay. Ils ont réfléchi. Vous avez le ministre de la Défense qui a fait le Nord Kivu, qui a fait Goma, qui a fait Sake. Il a des lunettes que vous n'avez pas. Mais Jean-Pierre Bemba. Hein? S'il vous plaît, tu as parlé, je t'ai continué, mon cher. C'est-à-dire que ce sont des responsables qui ont réfléchi. Des gens qui gèrent le pays au quotidien. Ils ont une lecture qui n'est pas celle que nous avons. Non. Je pense que la peine de mort sur l'établissement, c'est pour endiguer le banditisme urbain, endiguer les infiltrés au niveau de l'armée. Mon cher ami, écoutez, tu sais, une fois, moi et mon épouse, Papa Lukebana, on est assis devant Ambongo, à l'Ilongé. Mon cher ami, tu vois, c'est qu'on a scié les machettes. Donc, sur le macadam. Sur le macadam, devant Ambongo. Et puis, j'ai vu l'innocent blessé ici. Bon, papier, machette. Bon, maintenant, c'est monsieur l'innocent là. Il met la justice. Et le condor doit l'encourager. C'est bien bon. Eh mon cher ami, donc c'est-à-dire que mettez un peu de gants, on essaie de sortir de ce que non, mais est-ce que les gants... Donc c'est cool, là on doit de scier sur les gens, là on applaudit. Ça, c'est un maquillage. Attention. Non, c'est pas un maquillage. S'il vous plaît. Est-ce que les cas de Kuluna... Non, pour un Kuluna, il y a des gens qui sont venus avec Il y a des gens qui sont venus avec Moussa de Kabila dans l'AFDEL, des gens recrutés qui sont d'origine un peu douteuse. Qu'est-ce qu'ils peuvent pour eux attaquer les MP3, c'est une auto-attaque. Au sein de l'armée, il y a les gens loyalistes, donc les ex-phases, le Congolais, plus le sang. Au sein de l'armée, il y a des gens qui se disent d'obédience pro-ex-régime. Et maintenant, qui pense que ceux qui sont en face de là, sont avec nous. Maintenant, sur le plan des opérations, ils vendent des mèches. C'est eux qui trahissent. Ils trahissent le plan. Donc, là, ils se réunissent la nuit pour attaquer la rébellion. Eux, là-bas, ont déjà le plan. Et puis, ils sont surpris. Alors, maintenant, peut-être que leur attaque doit rester comme ça. Maintenant, ils contournent le fait qu'il y a un ballon là. Et tout ça, bon, est-ce que. Les gens responsables ne vont pas réfléchir comment atténuer cette traîtrise de l'armée. Mais la peine capitale existe, non? Alors, maintenant, pour la peine. Et puis moi, je pense que la vie d'une personne. Écoutez, c'est le domaine de Dieu. Mais lorsque Nana tue là-bas, c'est bien.
Quand il tue les gens pour avoir venu à Kinshasa, mais la paix capitale, c'est bien. Pire, cher Ben. N'a pas aussi une famille. Cher Ben, qui l'a tué? Il est mort. Parlons-en, qui l'a tué? Est-ce que tu peux le prouver? J'ai dit Chervin qui est mort. Tu peux le prouver? J'ai dit Chervin qui est mort. Il est mort. Chervin est mort. Chervin est mort. Il est mort. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est sûr qu'il y a la parole. S'il vous plaît. Okende, c'est un père de famille. Il est mort. C'est mort droit au respect. N'est-ce pas? Alors, évitez un peu de polémique sur un monsieur qu'on a couvert bientôt enterré. Ça fait encore en deuil. Alors, il ne faut pas remuer le coup de la plaie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On dit qu'il est mort. Alors. Je pense que la vie humaine est sacrée comme à Dibouya. On ne peut pas en tenir. Mais écoutez, l'État a aussi cette faculté-là de trouver des mesures draconiennes pour endiguer la peine capitale. Je pense que c'est responsable pour qu'un gouvernement trouve des solutions. Des solutions. Solutions idoines. Efficaces. Parce que aujourd'hui, vous savez que. C'est Kouna. Si c'est obligé aujourd'hui, vous pouvez me renverser les institutions ici. C'est Kouna qui est motard ici. Mais là, vous voulez payer l'argent là. Mais écoutez, vous ne payez pas les gens aujourd'hui. Oui, tu n'es pas les femmes. Je pense que le gouvernement a ses raisons. Et je pense qu'ils ont bien réfléchi en rétablissant la peine de mort. Parce que c'est pas normal que notre armée ne peut pas se guérir ici. On ne fait que repousser. Jamais on arrive au Ghana. On recule un peu, mais entre temps. Les territoires sont conquis par la rébellion, par l'agression. Toujours des répits. Mais il y a un problème. Qui ordonne le repli? Alors, c'est pourquoi j'ai dit. Qui ordonne le repli? Mais c'est le pourquoi du rétablissement de la peine de mort. Pour tuer les traîtres. Et quand on a tourné l'argent et qu'aujourd'hui, les argent ne sont pas payés là. Qui a détourné? Monsieur, on est sur ma télévision. Quand tu as eu des faits, il faut prouver. Qui a détourné l'argent? Ramezawa. Tu peux le prouver? Ramezawa. C'est une erreur. Ramezawa. C'est une erreur. Vous avez conduit? Ramezawa. On va chuter. Mais ça va de la ville? Comment t'es arrivé ici? Comment t'es arrivé ici? Tu es venu à pied? On va chuter. Dernier sujet, on chute par là. Il nous reste une quinzaine de minutes. Maxi 20 minutes. Allez, le président de la République n'a pas de pain sur la planche. Tu as flashé quelque chose ici, après la sortie du gouvernement, il y a des gens qui risqueraient de grossir les MPL. Ils sont avec nous ici. Ils sont avec nous ici. Même les plateaux, ils sont là. Même ici, ils sont là. Ils sont là, ils sont prêts à prendre la rébellion. Ils ne sont pas là. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Quel profil pour le au perchoir qui? À l'Assemblée nationale. Au perchoir. Le Sénat, c'est aussi le perchoir. Ouais, c'est le perchoir. Exact, oui, c'est le perchoir, oui. Perchoir du Sénat. Ouais. Perchoir de l'Assemblée nationale. Ouais. À la tête. À la primature, qui? Quel profil? Le gouverneur, qui? Chacun va avoir 5 minutes, 5 minutes, on coupe toujours par là. Qui? Non, mais pas, nous sommes pas plus. Tu parles. Hein. Comment? Comme ça, et puis ça fait comme ça. Oui, il n'y a pas de souci. Ce que je veux, tout le monde parle. Allez, vidéo de. C'est la vidéo de 45 secondes. Ces deux vidéos, je connais tous, ça va faire 45 secondes. On voit un peu l'ambiance qui a régné à l'Assemblée nationale. C'était hier. Hier, oui. J'étais là, oui. J'étais là hier, oui. D'un côté, Vital, de l'autre, Mbosso. Bon, je ne vais pas mettre la vidéo, on tape. C'est trop brutal, ça, je ne peux pas mettre. Mais j'aimais l'ambiance qu'il y avait. Mais on déplore quand même de voir un jeune homme qu'on a tabassé. Je ne sais pas, il s'agit de qui, il s'agissait de quoi. On a tabassé sérieusement. C'est des actes à décrier. Mais on suit la vidéo de l'ambiance qui a régné. Et on se retrouve tout juste après. Chacun va avoir ses 5 minutes pour poser le jalon. On va définitivement clore cette émission. A tout à l'heure. Malu, 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 malu
Allez, d'un côté Mbosso, de l'autre Vital. Qui a la primature? Qui a la primature? Qui est au perchoir du Sénat? Je veux dire, à qui vient ça? Qui? Au Katam, à qui? Le CG Kabunda dit les immigrés. Non. Les immigrés n'entrent pas. Kabou, il y a l'incompris. L'incompris. On a travesti. Vous avez la parole. Bon, moi, je ne suis pas concerné par toutes ces histoires, étant donné que chez nous, nous disons Faoum Omina Kopi Pitous. Vous avez suivi, quand vous dites que non, l'Assemblée nationale, c'est une émanation de la population. Est-ce que ceux qui sont là ont-ils été volés? Il y a eu des nominations, il y a eu des désignations. Vous avez constaté, d'ailleurs, quand je vous parle, il y a quelqu'un qui est en dehors aussi qui m'entend, qui dit, qui s'étonne que sur, là où il y a un siège, les sièges-là, celui qui a été publié par la CENI, qui n'avait jamais été attaqué. C'est la loi. Un siège. Écoutez, vous savez pourquoi je n'ai pas d'un siège? Un siège. Tu n'es pas attaqué. Comment on peut avoir la liste? Comment les neuf arrivent sur dans les dossiers de la CENI? C'est les meilleurs qui passent. Ah non, un siège. Quelqu'un qui a un siège dit, il y a un siège. Comment on peut attaquer celui qui... Comment on peut... invalider celui qui avait été publié par la CENI sans qu'il ne soit attaqué. Là où il y a un siège. Parce qu'il cherche à justifier que c'est la loi. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui est fait. Il y a quelqu'un derrière cette porte, il y a quelqu'un qui m'attend. Il est là dehors. Il est là dehors. Il a été invalidé. Il est validé. Donc quand il était validé, il n'était pas venu. Oui, C'est cette justice-là qu'on veut. C'est cette justice-là qu'on veut autoriser à cette justice tuer les gens. Parce qu'il est invalidé, un juge peut enrichir quelqu'un, un juge peut appauvrir quelqu'un, un juge peut tuer quelqu'un. Mais ce n'est pas une telle justice. Très bien. Il a fini. Tu as fini. Oui, il a fini. Pour la, tu n'as pas à dire pour les. Non, non, il n'a pas à dire, ça va. qui est à primature? À primature, il faut invertébrer. J'ai eu écho comme quoi il y aura des enregistrés sur la voie. Une femme, je l'ai déconseillé. En tout cas. Pas une femme. En tout cas, si je suis un homme genré, mais pour le moment, un pays en guerre mérite invertébrer. Un homme qui est assez méticulé, qui a l'expérience à l'image de d'Alinguette, Foucault Samba. Gilles Alinguette, même si tout le monde ne l'aime pas. Gilles Alinguette. L'image d'Alinguette, Foucault Samba. Mais là, auprès de Fatih qui font. Les hommes là ont fait quoi? Je pense que. Laissez Alinguette, pardon, il faut, pardon. Il faut des gens. Je vais arrêter l'émission si vous blaguez avec les hommes là ont fait quoi? Laissez Alinguette. Et puis, au perchoir, je pense que, sincèrement, Peter Sani, quand je vois la seule configuration de l'Assemblée, il n'y a pas un homme qui fera bon jeu comme Kamer à l'Assemblée au perchoir. En tout cas, je pense que Kamer, il était là, on a vu, il a fait ses preuves. C'est le seul qui a su effacer l'image de l'Olivier Kamer de l'Assemblée nationale. Le seul. C'est le seul qui a fait. Parce que Olivier avait mis la barre très haute. Et je me disais que Kamer a su casser un peu l'image de l'Olivier Kamer de l'Assemblée. Donc je pense que là la carrure, il a l'avantage aux autres. À Kinshasa ici, je pense que l'UDPS est majoritaire et à l'Assemblée avec ses samosaïques. Non, mais n'est pas UDPS. On a dit qu'il était... Non, il est des pères et des mères. S'il vous plaît, il n'est pas UDPS. Mon cher ami, tes enfants là ne sont pas des katumbistes. Tes enfants, son père était UDPS, non? Non, tes enfants ne sont pas des katumbistes. Son père était UDPS. Mes enfants ne sont pas des tshisekedistes. Il est des pères et des mères. Non, non, mais écoute, c'est dans le sens. Mais écoute, mais son père ne l'a pas connu. Mais non, quand même, il a quand même un parcours, il a quand même fait des choses. C'est quoi son parcours, mon cher? Un manager, on a chômeuse. Chômeuse, il y a quoi, chômeuse? Il y a quoi, non, s'il vous plaît, mon cher ami. Est-ce que dans ce pays, vous avez une salle de cinéma? Non, regarde, il dit qu'il y a quoi? Chaque soir, il y a deux fois des salles de film. Mais c'est une salle, c'est une cinéma, vous pouvez voir le problème. Mais finalement, le cinéma, c'est à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, mais c'est quoi? Cinéma, c'est que c'est ici. Non. Non, vous n'aimez pas la culture? Chérie, ça. Vous n'aimez pas la culture? S'il vous plaît. Et Bumba, quoi? À Kinshasa, ici, c'est mon ami de classe, Bumba Daniel. Qui sera là, il est gouverneur. Parce que c'est l'ami des gouverneurs. C'est là qui sera là, gouverneur. Au Katanga, Kabuya n'a commis aucun péché. Mais Kabuya a dit la vérité. La vérité. S'il vous plaît.
Qu'est-ce que Kabou a dit? C'est la lessiveuse. Hein. Kabou lui-même, c'est le qualifié de sorcier lui-même. C'est le des sorciers. C'est parce que vous allez Katanga à en faire se comme si nous sommes des sorciers. Quand on part en Europe, n'est-ce pas qu'on s'accommode aux pratiques des Européens pour éviter les incompréhensions? Bon, tu es au Katanga. Qu'est-ce que vous avez à voir avec les gens de Poeto, les gens de Machu Picchu? Conformez-vous, mais s'il vous plaît. La loi n'interdit pas un mouvement peut-être candidat à Lubumbashi, actuellement candidat à Colossi, peut-être candidat à Nikassi. Actuellement, c'est la député national. La loi ne l'interdit pas. Actuellement, le gouverneur sont les manations des provinciaux. Point barre. Alors, c'est pas le nouveau de Tshisekedi. C'est depuis Kabila. C'est la constitution, monsieur. Quel soubassement j'ai depuis quand on a vu quelqu'un moulu au gouverneur de Katanga. Je te dis, on est point de vue de Kabila. Mais monsieur, ça c'est l'ancien régime. Oh, écoutez, ça c'est le nationalisme. Mais c'est la constitution. Il faut restaurer. Il faut restaurer. Pas le débat. Il faut. Tu peux exposer. Tu dois dire ça. Écoutez, tu dois dire ça. Tu dois pourrait dire, hein. Non, c'est pas un modèle de Godempoy. C'est pas un modèle de Godempoy. C'est pas un modèle. C'est pas un modèle. Tolérance, laissez-tu. Vous voulez qu'on puisse nommer les non-originaires. C'est là sous-entend, on doit changer la constitution. Je ne dis pas nommer qu'un Mouloumba peut être candidat à Lubumbashi. Ouais. Ok. Un Mouloumba peut être candidat à Goma. Et oui, qu'on le porte aussi. Alors, Qu'on le porte aussi alors. Alors, Moutati Soukandi. Un Mouloumba, on va se faire par les Katangais. Ouais, mais je vais aller à la il y a plus les cas sont les connes de ville du Kandé. Il a fui la sorcellerie dans son. Écoutez, là, les cas de. Moi, je refuse que Tioyo épouse les propos. On met les papiers plus fort, parce qu'on est sous la chaleur. C'est pas séparatiste, c'est la vérité que l'établit, mon cher. Moi, je refuse qu'il l'emprunte. C'est des propos séparatistes, des propos de Kabuya. Quand Kabuya le dit, il est secrétaire général de l'UDP. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un Kassayen. Oui, le sorcier aussi. Écoutez, dans l'UDP, il y a des combattants de l'UDP qui sont morts au Katanga pour la lutte de l'UDPS. Ça, Kabou oublie. Comme ici aussi. Écoutez, comme ici aussi. Écoutez, dans l'UDPS, il y a des combattants qui sont morts, Kassayens, non Katangais, mais pour la cause de l'UDPS, pour la lutte de l'UDPS, ils sont morts, ils sont enterrés. Okay. Peut-être Kabou n'était pas encore dans l'UDPS. Okay. Il doit apprendre à respecter la lutte de l'UDPS, Kabouya. Les dire, qu'est-ce que vous faites là-bas au Katanga? C'est grave ça. C'est séparatiste, c'est séparer des Congolais où la constitution dit un Congolais est libre de vivre mieux où il va vouloir vivre. Le Katanga n'est pas Kassayen. Le Kassayen n'est pas pour le Katangais. Non, c'est dans les Congos. Si Kabouya les dit. Kabouya pas dit non, écoutez. Vivre ensemble. Kabouya, là, était séparatiste. De Katanga. Non, parce qu'il y a eu des Kassayens. Donc, quand tu vas parler, vous tu vas manger dans la comme ça. Parce que il y a des Kassayens, écoutez, il y a des Kassayens qui vivent au Katanga, des Ludepes, qui se sont opposés à Kabouya. Les faits pour lui déporter Kiaboula. Il faut s'opposer à ça. Parce que lui a imposé Kabouya. Kiaboula. Kiaboula est Kassayen. Non, mais écoutez d'abord. Il faut écouter. Ah, au frère de Kabouya qui prend les députés professionnels de l'Assemblée professionnelle, ils amènent ici. C'était pas au frère de l'UDPS. C'était au frère de Kabouya. De Kiaboula. C'était pas au frère de l'UDPS. Ah bon? Au frère de Kiaboula. Il a des formations. Vous avez des députés professionnels. De l'Assemblée provinciale, il faut suivre toute l'histoire. Kiaboula est candidat gouverneur pour le compte de quel parti politique? Dans l'UDPS, ça passe. Mosaïque, UDPS. Ardèche, c'est le parti de qui? Va te renseigner. C'est un mosaïque créé par Kabouya. Son colistier est élu UDPS. Qui quitte l'UDPS pour être candidat gouverneur avec pour le compte des Ardef, parti de Kabouya, qui sera, il sera l'adjoint de Kiaboula. Et ça, c'est Kabouya. Le fait que les Kassayens, Machipicha, qui se sont opposés à Kabouya, non, on ne veut pas de lui, nous, dans l'UDPS, nous avons une section qui fonctionne, on peut pousser l'UDPS. Kabouya s'oppose à ça pour protéger Kiaboula. Ça, il faut s'opposer à ça. Et ses propos ne sont pas différents des propos de Daniel Safa. Les propos de Kabouya, c'est séparatiste. Les propos de Daniel Safa. Mais pour qu'est-ce que Kabouya, ça faut faire en prison. Il est là,
fédéré, ça fout. Moukébé est en prison pour le même propos, tu vois. Mais maintenant, quand Kaboul tient pareil propos, il faut les donner. Non, c'est très mauvais, il faut condamner ça. Pour l'Assemblée nationale, c'est caméra, c'est simple. Mais Peter, c'est que caméra fait hier. Ça, c'est pressenti le président de l'Assemblée nationale. Mmh. Écoutez, il s'est fini. Et puis, il n'y a plus de débat. Caméra, c'est le écoutez, les autres postes à pouvoir, c'est le Sénat. C'est le Sénat maintenant où on peut dire que c'est qui. Non, mais j'apprends qu'à l'Assemblée nationale, il y a un coup qui se prépare. Non, Peter, ça sera difficile. Ça sera difficile. Quand on commence à entendre, déjà, Kabouya vous a dit, l'UDPS prendra la primature et lui sera candidat comme premier vice-président. Mais ça arrivait des droits qui à la deuxième force, c'est l'UNC, c'est Kamer qui les prend. Si tu sais qui dit, elle pas pensé peut-être ne pas mettre Kamer, il va encore enfoncer. Vous voyez Kamer le coup. Non, c'est ça, écoutez, il est déjà. Alors, pour le cas du Sénat, il faut peut-être attendre Sama qui se bat pour ça. Et Matata, je ne pense pas. Qui se bat pour ça, le Sénat? Sama, Japon, non? Sama, oui, Sama, il est pressenti. Donc, pour la ville, moi, je suis normal. J'attends à voir les meilleurs tickets. Non, la meilleure offre. Dès que j'ai ça, j'analyse, je comprends, je soutiens, Bumba Daniel. Jusque là, je m'étais encore. Offre politique. Ce n'est pas encore élaboré. Si, vous voyez ce qui se passe dans ce pays. Attendez. Je suis quand même écœuré de voir qu'on se moque de Deo Kasongo ici. Okay. C'est un investisseur de plus de 20 ans de carrière, s'il vous plaît. On voit qu'il a quand même réussi, Deo. Non. Regarde, s'il vous plaît, dans le domaine privé, il a réussi. Il a réussi. Combien d'entreprises logent dans son bâtiment? Il loue chez lui. Et sa salle a servi aux acteurs politiques pendant la campagne électorale. Il est manager. Non, là, c'est un mauvais jeu. Hein. Ils ont joué un coup. Mais il y a qui est le candidat? Ils ont joué. Non, même pas. C'est un peu fait un dématique. Les politiciens, ils savent se jouer des entrepreneurs. Quelqu'un a sa boutique, il a placé ses normes pour avoir accès. Donc, les modalités sont connues. Les modalités sont connues. Maintenant, il est court-circuit. Il sort le même jour. Il dit, ah, nous voulons la salle. Mais vous n'avez pas encore payé. Ce n'est pas une salle cadeau. Ce n'est pas une salle cadeau. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Non. Et il pensait, s'il vous plaît. Il pensait que la salle chômeuse fonctionnait un peu comme CEPAS, là où ils ont l'habitude de louer. Ou comme Fatima. Mais attention, les cadres de ensemble ne sont pas Katumbi. S'il vous plaît, j'ai dit ceci. J'ai dit, ils ne sont pas ensemble. Ils sont pas de même type de personnes. C'est pour dire quoi? Vous moquez de quelqu'un qui a longtemps investi dans son pays. Très bien. Et qui aide les Congolais, qui a employé les Congolais, face à quelqu'un qui n'a jamais investi, et vous le présentez et vous l'adorez. C'est comme ça. Il dit, Bumba, c'est mon ami, j'ai étudié avec lui. On n'en disconvient pas. Quelqu'un aussi peut dire, voilà, moi j'ai étudié avec Deo, comme Jekoko qui habitait pratiquement la même avenue à Kingabwa qui est Deo Kasongo. Donc, ça veut dire quoi? Le jeune, c'est un état d'esprit. Lui, il n'a pas négocié, il a déposé comme indépendant. D'ailleurs, il a composé un ticket avec le secrétaire général de l'AFDC. Et aujourd'hui, ils ont postulé, ils sont indépendants. Mais ils attendent le moment M. Le moment M, c'est quoi? C'est le jour du vote. C'est les députés provinciaux qui vont voter. Vous n'avez pas voulu de lui. Mais pourquoi vous l'insultez? Vous tenez des discours de l'UDPS. S'il vous plaît, vous tenez des discours. Mais pourquoi c'est l'UDPS qui l'insulte? Donc c'est pour dire que quelque part, on voit qu'on ne jette des pierres que sur un fruit qui est bon. Et aujourd'hui, Deo Kasongo. Voilà. Il risque de passer. Hein, mais je vous dis, c'est le nom le plus. S'il vous plaît. Mais en 2011, en 2018, nous avons vu. En 2019, nous avons vu les candidats de l'UDPS comment ils sont pavanés.
ils n'ont pas reproduit les sénateurs. Ils n'ont pas produit les candidats. Ils n'ont pas produit les gouverneurs. Là, ils sont le procureur. Hein. Mon frère, tu parlais, moi je ne parlais pas. Mais maintenant, s'il vous plaît. Non. Maintenant, il parle de l'argent. Il parle de l'argent. L'administration, c'est si. Donc, ça veut dire quoi? Il parle de l'argent. Donc, il veut même jalouser ce que Adeo Kassongo aujourd'hui, les potentialités. Il a seulement, non seulement l'intelligence. Il n'a pas d'électeur. Non, mais je veux dire. Mais regardez. Il est pas sa douce députée. S'il vous plaît. Si vous allez. C'est ça les députés. Laissez les députés. Laissez la justice. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le parti a donné son vous me perdurez. Parce que votre ami est candidat. Parce que l'ensemble n'a pas d'élu. C'est ça. Tolérance. Moi, je dis ceci. Tolérance. Il me fait corruption. Il a corruption. Non, écoutez, sur base de quoi ce ça, il ne reste pas de délire. Mais regardez, au lieu de laisser, les électeurs faire leur choix. Un parti politique. Oh, mais regardez ça. Sa démocratie. Est-ce que ça existe comme ça? La démocratie. La preuve, quand même, ça, il ne parle pas de démocratie. C'est que vous ne voulez pas entendre, Freddy. Comme ça. C'est que vous ne voulez pas entendre qu'en démocratie, on ne pose pas à un député un choix à faire. Il est mature, il a été voté par la démocratie. Écoutez, mais on est en démocratie. Les députés sont en impossible. Le député aujourd'hui va faire son choix. Et le choix de ses députés provinciaux est connu. Le choix de ses députés est connu. Je m'accorde avec vous. Voilà, il veut imposer. Il veut imposer. Même le temps des partis là. Même des on n'a jamais imposé aux députés. On a imposé des moutards. Non, oui, c'est faux. Ouais, c'est faux. Alors, la preuve en est que dans le Congo central, nous avons connu un Mbadou qui n'a pas été candidat ticket du PPRD. Il y a des cas comme ça. Laissez les indépendants faire leur campagne et puis on va voir. Merci. Et puis en plus, les procureurs sont saisis. Regardez, le même il dit, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Bouya, je dois quand même jeter des fleurs. Il dit. Je vais d'abord attendre le projet. Mais laissez aussi les députés le temps de pulcher le projet de chacun. Vous vous imposez, voilà, c'est pas le mot d'opérateur. Non. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Mais le chef de l'État responsable a dit votre procureur là, qu'il soit vigilant sur la corruption. Oh, mais si quelqu'un dit madame a dit ça, je vous dis. Le procureur n'était pas là. D'accord. Il est désinformé de faiblesse de candidat de l'UDPS. Merci beaucoup. Quelqu'un qui te parle comme ça, un Freddy très fort, il te parlait comme ça. Merci. Il est au courant de faiblesse. Merci. Il est au courant de faiblesse des candidats UDPS. Laissez-moi chuter, laissez-moi conclure. Laissez Deo battre sa campagne, il est candidat indépendant. Vous avez refusé. Vous allez invalider Deo pour quelle raison? Ça, c'est la régie de Poutine. C'est la régie de Poutine. Son père n'est pas lui. Vous allez l'invalider sur base de quoi il est candidat indépendant. Merci. On est en train de transpirer dans un plateau très chaud. Il n'y a pas de on travaille sous générateur. Il n'y a même pas du bois. On travaille sous générateur, il n'y a pas d'électricité. Nous travaillons dans des conditions difficiles pour vous servir, pour les téléspectateurs. Quand nous aurons suffisamment de moyens avec Perfect Télévision, nous allons essayer d'utiliser des panneaux de moyens qui nous permettront même, avec un générateur, d'utiliser la climatisation. Mais je dis un grand merci aux confrères qui ont accepté, même dans ces conditions, de communiquer. Merci à vous, les téléspectateurs. Le 18 mars, c'est mon anniversaire. J'attends vos souhaits, vos cadeaux. Nous sommes le Machi. Vous nous aurez le Machi. Au frais de Tchaman. Nous irons à la cité de l'OIA pour voir Pachi Beto et maman Denise. Et puis après, je vais vous emmener à Kachobo, évidemment, si vous avez le temps. Ah. Et puis nous allons aller à Kachamata. Et nous allons faire un tour chez Alinguete, en qui j'ai confiance, que j'aime bien. Et puis arrêtez de faire Alinguete Premier ministre. Ah, hein. Et demain, monsieur fini. Il dirige une petite structure. Et c'est le gouverneur. C'est ça? Oui, n'importe quoi. Il y a les potentiels. Parce qu'Alinguete. Moi, je n'ai pas Alinguete. Et vous laissez les députés provinciaux voter d'abord. Et vos apaisements, que les députés on est raté. Attention, attention, je fête, je célèbre mon anniversaire dans la difficulté parce que la semaine de mon anniversaire, le 18 d'ailleurs, c'est une grosse. C'est quand votre anniversaire? C'est le 18 mars. Et oh, mais moi, c'est le 22 mars.
On est tous poissons. Ouais, très bien. Et ça tombe le jour de la manifestation pour notre confrère Stanley Boujakira, pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de compassion. Deux jours après, c'est l'inhumation de Chérubin Okende. Je pense deux ou trois jours après, ce sera même l'enterrement celui du papa Sifu Kapangala, le père de Thérèse Kapangala, des roses mémoires. Je crains que je puisse pendant que ce sera une semaine quand même difficile. On verra comment ça va se présenter. Pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. Merci pour le débat, j'ai beaucoup aimé. On se retrouve samedi prochain. À la prochaine. Merci. Allez, merci.